par effervescence, ça veut dire quoi? C'est le jeu de mots, l'effervescence, c'est une référence à l'effervescence populaire, la révolte. D'accord. Les insoumis. On essaie d'être clairvoyant. Lucide sur ce qui se passe et tout. Pas être trop aveugle. Mes influences, bah moi donc j'ai commencé par écouter Reagan et tout ça. Ensuite, au niveau du reggae, tout ça, au niveau du rap français, ouais, c'est plutôt IAM, Psychopathe aussi, c'est mon truc. Après 15, sera Method Man, Redman, Tupac, tout comme ça. Et au niveau du raga, ce qui est donc mon élément de prédilection, quoi, pour le coup. C'est plutôt Junkleman, Capleton, du Sean Paul aussi. J'adore Morgan Heritage. Un truc comme ça. Influencé par la vie en général, les films, ou sinon au niveau du rap, bah, je suis plus rap marseillais, on va dire, ceux qui m'ont pas mal percé, on va dire, il y a Kenny Arcana, Laura Luciano, Chien de Paille, Akhenaton, IAM, voilà, il y en a beaucoup, quoi. D'accord, et comment tu définis ton style sur l'album? Style assez sombre, hein, t'as vu assez... Mes influences, elles sont assez larges. Pac, Eminem, DMX, Outkast, j'ai énormément de listeners, il y en a beaucoup. Pas que du rap, j'écoute genre Kitaro, musique celtique, j'aime bien drum and bass. Cuir, alias Luciano The Rat. Tu vois, est-ce qu'on marrant et tout. Tu vois. Là, il va commencer son sketch. Il devrait faire humoriste. Voilà. Tu vois, moi, Fetty, moi qui suis un mec qui n'a pas d'humour. On peut retrouver des thèmes, il y a des morceaux très introspectifs, il y a des morceaux qui parlent du monde, de la société actuelle, il y a des morceaux plus politiques. Je pense que voilà, pas mal de gens pourront se retrouver là-dedans. Hein. Mais nous, notre démarche, on se dit, pour commencer, on va essayer de toucher le public le plus large possible, comme une sorte de carte de visite. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on essaye vraiment de faire ce qu'on est, et personnellement, je cherche pas à être positif ou négatif, j'essaie vraiment d'être ce que je suis. Mais est-ce qu'il y a quand même une touche d'espoir dans votre album? Toujours, parce qu'on fait de la musique avant tout aussi. Ouais. On se battre. Saïko, c'est le mec qui nous a fait les trois quarts des sons qui sont dans l'album. D'accord. Donc voilà, on l'a rencontré en 2004. On commence à bosser ensemble. Et puis voilà, c'est le mec qui connaît notre couleur de son, qui connaît le délire du groupe, qui est là depuis un certain moment. Donc, c'est important. Lui, il est plutôt de quelle école? Plus de l'école sample ou de l'école compo? Compo. 100% compo. D'accord. Voilà, je suis le compositeur d'effervescence. Mes influences, ça va du jazz, de la musique, du rap, au blues, à la variété. En 91 que je fais la musique. Alors, j'ai commencé par le piano pendant 4 ans. Après, je me suis mis à la guitare électrique plus la basse. Pour moi, c'est pas une rythmique qui va toucher, mais plus une mélodie qui va faire pleurer, qui va faire transpirer. Et il y a que Saïko qui a fait les prods sur l'album ou il y a d'autres gens qui... 200 kilowatts. D'accord. Donc chez kilowatts, c'est qui? Un gars sur Lyon qui a travaillé... Je prépare une compile à l'heure actuelle et qui a bossé avec Cartel Export. Il a fait 2-3 sons à des gens du monde. Et après, au niveau de l'enregistrement et du mix, comment ça s'est passé? Ça s'est passé chez YouTube, un gars de notre base. Voilà, on s'est rencontrés, on a bien sympathisé, et puis voilà, il était dans le son. Et après, le mix est réparti comment? Le mix. Parce que je vois que c'est parti un petit peu on l'a réparti, à droite à gauche. On l'a réparti en trois personnes. On l'a réparti avec Saïko qui nous fait les sons. D'accord. Avec Vido, qui est un toaster aussi et qui est dans la prise de son et tout ça. Ouais, il nous épaule. Il nous épaule, c'est du son. Et Lucho de mot de passe, donc aussi, qui nous a mis quelques sons. Qui nous a fait enregistrer tout l'album. Ok. Et après, donc au niveau de la partie visuelle, qui c'est qui la prend en charge? C'est un gars qui s'appelle Portumo. Voilà, il est.
dire qu'il fait une, il suit une formation de graphiste. D'accord. Et voilà ce qui fait que voilà, on nous a proposé de faire la pochette. Et qui plaisait les graffeurs aussi. D'accord. Donc il a l'esprit hip-hop, enfin. Et c'est... Ouais, ouais, c'est un mec, il baigne dedans. Bah, est-ce qu'il y a des invités sur l'album? Ouais, il y a des invités. Donc il y a Lucien Cézès, du groupe IPM, un ancien, il y a très longtemps. Il y a eu Félonic, un groupe des potes à nous. Des Villeurbanne. Des Villeurbanne, de Villeurbanne, un groupe. Voilà, voilà. Il y a eu Uchu aussi, de Motpass. On a fait ça en famille, on va dire. On a fait ça avec des gens qu'on connaissait bien. Donc pour diffuser l'album, vous allez déjà passer par internet avec les différentes pages que vous avez sur le web. Ouais. Il y aura un site aussi internet qui va être créé pour l'album. Voilà, qui va être créé pour l'album. Et vous allez le défendre dans la rue? Cet album? Ouais. Ouais, ouais, bah ouais, on va le défendre dans la rue, le public qui se trouve là-bas. Donc, vas-y, on va. Bah, qu'est-ce que je te dise? Voilà, là on sort de Radio Canu, voilà, bien passé, tranquillement. Voilà, pépère, hein, frère. Petite prestation. Il est temps de se remettre dans le bain. C'est du lourd. Voilà, l'essentiel, c'était d'expliquer aux gens qu'il y avait une réflexion derrière notre musique, qu'il fallait qu'ils téléchargent l'album parce qu'il est gratuit, parce que c'est légal de le télécharger, de se faire connaître partout, par le plus de gens possible. Rien à foutre, comment tu t'habilles, comment tu réfléchis, pour qui tu votes. Du moment que t'es ouvert d'esprit, que t'aimes la musique, télécharge-nous. Donc voilà, je pense que l'album, il fait pas mal cogiter. On a voulu... pousser les gens à la réflexion, on va dire, tu vois. Et les projets à venir, ben là il y a l'album de moi et Lucho là qui est sorti, Lucho du groupe Motpass. Voilà, l'album il s'appelle Envers et contre tout, 15 titres, on vend ça 5 euros dans la rue, tu vois, on est là quoi. Mais sinon, des projets, ouais, il y en a tout le temps, tu sais. Là-bas, là, l'album d'Alarme, Alarme le collectif. Il y a un petit mot pour finir. Un petit mot pour finir, ben télécharger l'album. Hein. Télécharger l'album, soutenez. Nous on est là en tout cas, Villeurbanne, t'inquiète, représente. Voilà frère. FRV.